D'abord, le changement climatique, plus personne ne peut le contester aujourd'hui. On le voit bien avec les périodes de sécheresse qui progressent, les périodes d'inondations qui, elles aussi, deviennent de plus en plus alarmantes. On a vu encore récemment, en Guadeloupe, à Saint-Martin, des ouragans qui déferlent. Donc le changement climatique est là. Et donc notre responsabilité à nous, politiques, décideurs, c'est d'agir dès maintenant, à la fois au plan local, à la fois au plan par bassin, et puis aussi au plan international. On voit bien que le défi, il est bien sûr local, il est bien sûr par une prise de conscience du citoyen, mais il faut qu'on échange sur nos pratiques parce qu'on voit bien l'interdépendance des systèmes. Évidemment, la nature doit redevenir l'allié pour répondre au changement climatique. Bien sûr, notre responsabilité en amont, pour éviter les comportements qui aggraveraient la situation, mais aussi faire en sorte qu'on puisse s'adapter au changement climatique et protéger aussi les populations, parce que ça, c'est un enjeu majeur.